Bienvenue pour cette quatrième vidéo De de découverte découverte du du QML. QML. Comme Comme toujours, toujours, un un petit petit rappel rappel des des épisodes épisodes précédents. précédents. Lors de l'épisode précédent, nous nous sommes attardés sur les attributs d'un objet. Nous avons vu les différents types d'attributs, donc les signaux, les propriétés, les méthodes, etc. Et donc, on va se focaliser aujourd'hui un petit peu sur les propriétés. Le binding, c'est associer une propriété à une autre. En général, de deux objets différents, mais pas toujours. Donc, en QML, le binding en fait se fait par le langage JavaScript. Je vais vous montrer une série d'exemples. Vous avez différents types de binding qui correspondent à la même chose, hein. Mais voilà, qui ont une syntaxe différente. Donc, le plus classique, c'est le binding avec une autre valeur. Donc on définit la propriété size, comme nous l'avons vu l'épisode précédent, et nous faisons en sorte qu'elle soit toujours égale à la propriété item count du parent. Un peu similaire, mais avec une légère différence, c'est qu'on peut faire des opérations arithmétiques. Donc là, on divise par deux la hauteur, et on dit la hauteur de mon objet est égale à la moitié de la hauteur de son parent. On peut utiliser aussi des méthodes JavaScript. Math.min, c'est la fonction JavaScript pour faire le minimum. Et dans cette fonction, on retourne le minimum entre la hauteur et la largeur du parent. Et donc, on vient c'était la hauteur de l'élément courant. On peut utiliser ce qu'on appelle l'opérateur ternaire. Donc, pareil, on définit une taille, une propriété size. Paysage est un booléen, donc il est vrai ou faux. Donc, quand il est vrai, on utilise la largeur et quand il est faux, on utilise la hauteur. Donc c'est condition, point d'exclamation, première valeur, donc, enfin valeur retournée quand c'est vrai, deux points, la valeur retournée quand c'est faux. La condition est fausse. On peut combiner les opérateurs ternaires. Donc quand la température est supérieure à 100, je définis la propriété texte avec vapeur. Sinon, quand la température est inférieure ou égale à 0, je définis le texte avec glace. Et dans les autres cas, je mets liquide. Ensuite, le binding avec une fonction inline. Voilà, donc c'est une appellation que j'ai donnée moi, hein. C'est pas forcément la vraie. Mais en gros, vous avez la propriété texte et puis vous mettez les accolades et puis vous pouvez écrire du langage à base de if, else, etc. pour définir la valeur texte. Donc n'oubliez pas le mot-clé return pour définir la valeur. Et c'est strictement, enfin ce code-là est strictement identique au code que nous avons vu avant, ici. Et en dernier, vous pouvez utiliser une vraie méthode JavaScript qui retourne un texte. Pour rappel, nous avons vu comment écrire une fonction JavaScript dans l'épisode précédent. Ensuite, Ensuite, bah bah pour pour vous vous faire faire un un petit petit peu peu manipuler manipuler ça, ça, j'ai j'ai un un petit petit exercice exercice à à vous vous proposer. proposer. Donc Donc, c'est c'est d'afficher d'afficher un un carré carré dont dont la la taille taille est est modifiée modifiée par par un un bouton bouton plus plus et et un un bouton bouton moins. moins. Voilà. Donc je vais vous montrer ça Ça vite vite fait. fait. Rien de Rien de très, très très extraordinaire, mais extraordinaire, voilà, mais vous voilà, avez vous trois, avez deux deux boutons boutons et et un un carré carré rouge. rouge. Si Si j'appuie j'appuie sur sur plus, plus, le le carré carré augmente. augmente. Si j'appuie sur moins, le carré diminue. Voilà. Idéalement, bah, faut réussir à faire ça. Bah, comme l'épisode est un peu court, je vais enchaîner sur l'autre slide. Donc, on va parler un peu des méthodes de travail. Donc en QML. En QML, en général, on a l'habitude de partir d'un design fait par un graphiste, qui va dessiner l'ensemble de l'application pour une résolution fixe. Donc pour un écran de téléphone, pour un écran embarqué dans une voiture ou autre, on dessine vraiment le truc et donc du design fait par le graphiste, on va exporter toutes les images, etc., faire des screenshots, etc., etc., et on va générer du QML avec ça. Donc il existe des outils pour le faire, qui peuvent passer dans du GIMP ou dans du Photoshop. Mais ça peut aussi se faire à la main, voilà, si le graphiste a fait le travail comme il faut avec des moyens de faire ça relativement bien. Si vous êtes passé par l'étape de générer du QML,
Par des outils automatiques, en général, le QML n'est pas très très propre. Ou du moins, il est optimisable, simplifiable. Et donc, il y a une grosse étape de réécriture. Mais l'avantage de faire ça, c'est que tous les éléments graphiques sont placés au bon endroit, au pixel près. C'est pas au développeur de faire le placement. Voilà. Et en dernier, bah, les autres méthodes. RCSE, quelque part, est une autre méthode, mais il est dédié à la réalisation du personnage, donc ça ne va pas répondre à tous les besoins de tout le monde, ça c'est sûr. Je sais qu'NVIDIA a produit un logiciel qui s'appelle Qt 3D Studio, qui permet normalement de créer des applications en 3D avec Qt. Et il y a de fortes chances que une couche QML soit intégré dans cet outil-là. J'ai pas encore eu le temps de le tester. Il n'a pas encore été intégré complètement par l'équipe de Qt. En fait, Nvidia l'a donné à Qt et il va rentrer dans les outils standards de Qt. Donc, il y a de fortes chances que il devienne un QML designer plus plus quoi. Le QML Designer est lui-même une méthode utilisable. Personnellement, je le trouve assez lent et assez buggé. Pas forcément très pratique, mais voilà. Peut-être que j'ai juste pas pris le temps suffisant pour l'étudier comme il faut et l'utiliser à sa pleine. Une autre méthode aussi, c'est que là, je vous ai présenté dans les premiers épisodes beaucoup d'éléments. Simple et neutre, on va dire, et si vous voulez leur donner une couleur ou un thème en utilisation correcte, vous allez devoir créer vous-même vos propres. Enfin, je vous ai donné tous les outils pour créer à partir d'éléments de design. Je vous expliquer comment, avec un élément rectangle ou un élément image, on peut mettre une mouse area derrière, transformer ce rectangle ou cette image en bouton. Maintenant, Qt fournit pas mal d'éléments standards qui sont des boutons, des sliders, des listes, etc., etc. On les verra plus tard, nous, dans une prochaine vidéo. Sachez que ça existe et donc on peut produire une application classique sans forcément avoir besoin maintenant de designer. Voilà, si vous savez quels éléments vous voulez afficher, si vous avez besoin de trois boutons, bah, pas besoin d'avoir un graphisme pour faire ces trois boutons. Vous pouvez utiliser les classes boutons QML et vous avez quand même un style assez assez agréable, sachant que il peut de toute façon après coup être. Alors c'est tout ce que j'avais à dire sur les méthodes de travail. Donc n'oubliez pas de faire l'exercice, je donnerai la correction au début de l'an prochain. Et puis bah n'oubliez pas les commentaires, pouce bleu, abonnement, etc. etc. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine!